Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Prison Architect, chers amis. Donc, nous sommes ready to go pour la suite de l'aventure. Hein. Douche, 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 c'est bon. Hop. Il me manque simplement. Hop, voilà. Ok. Parfait. Voilà. Hop. Pour ce qui est des douches, c'est bon. Il nous manque cependant quelques... Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, j'ai oublié d'en mettre un. Ok, c'est pas grave. Problème résolu. Ok. Nécessite une entrée. Je l'avais pas mise l'entrée? Ah oui, non, il fallait que j'attende qu'ils enlèvent l'arbre. Excusez-moi. Grande porte. J'ai dit grande porte. Voilà. Crac. Voilà. Parfait. On pourra venir finir un petit peu cet endroit-là. Ça, c'est cool. Danger moyen, donc ça va. Là, je peux pas, par exemple, renvoyer certaines personnes. J'imagine que non. Dommage. Ok. Donc, on a l'atelier qui va bientôt être prêt maintenant. Atelier. Voilà, atelier ici. Qui va être une grande pièce. Hein. Si d'atelier, presse d'atelier, table. Je crois que c'est pas encore actif. Problème d'électricité aussi apparemment. Effectivement, ça s'arrête juste devant. Hop. Crac. Ok. Alors, pourquoi l'atelier ça veut pas? Voilà, quelques tables. Éteint de métaux, nanananananananan. Atelier. Ah, atelier. Attendez. Presse d'atelier. Ok. Voilà, on va faire ça comme ça. Espérons qu'ils en aient assez. Crac. Alors apparemment, au niveau d'électricité, il y a des besoins particuliers. Voilà, hop, qui devrait être bon. Construction de l'atelier, c'est bon. Faire travailler des gens à l'atelier, voilà. Ok. J'ai pas formé les gens encore. Pourquoi? Pourquoi les gens ne sont pas formés? C'est dans quoi? C'est ici. 10 places par séance pour l'atelier, donc c'est parfait. Ils ont pas le temps pour. C'est ça? Il me semble que j'avais vu ça. Régime. Voilà, ça, temps libre, temps libre, temps libre.
Voilà. Ok. Ça c'est bon. Voilà. C'est parti. Ils vont aller le faire. On va avoir les trucs obs... pardon. C'est quoi? On verra bien. On va attendre un petit peu avant que ce soit terminé. Que tout le monde soit formé, tout ça, tout ça. Crac. Pourquoi la course ça veut pas ici? 5 par 5. Ah, effectivement, ma course semble plus petite que prévu. Que l'autre. Bon, bah tant pis. J'ai chié dans la colle, apparemment, c'est pas grave. On va supprimer cette cour-là, puis tant pis, hein. Hop. Ok. Matériaux. Crac, crac. Mais attends! Je dois former des gens, banane. Allez, montre. Émeut ton... What the? Malamec! Mec! Voilà. Il va être temps qu'on vous mate un petit coup. Il est hors de question que ça devienne un bordel. C'est décès aujourd'hui apparemment. Et qui décède? C'est mes ouvriers qui c'est mes ouvriers qui décèdent, c'est mes gardiens. Ça pue du cul? Bon. Voilà. Il va être temps de bourrer un petit peu les gens là. Non mais oh. C'est quoi ce bordel? Vous voulez du gardien? Il y aura du gardien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas grave. Non, ta gueule, toi, monsieur le débile, là. Niveau de la formation, ça se passe comment? On va pas prendre plus de monde. J'en suis où, moi? Formation, c'en est où? Allez, on y va. Excusez-moi. Voilà. Hop. Ta gueule avec ton appel téléphonique. Ça m'achoule. Il y a tellement de cadavres. Il va me falloir une morgue. Hein. Il va me falloir une morgue. Bah ça tombe bien. Ça tombe bien. Ok. Objet.
porte. Mur. Crac. Morgue. C'est chiant le téléphone qui sonne, hein. Je sais bien, chers amis, je suis désolé. Lit superposé, c'est cool ça. Ok. Voilà. Hop. Faisons les choses bien. Mais tu m'énerves avec tes appels à la mort malneuve. Bon, vas-y, décroche. Je suis parvenu à convaincre le chef de faire une exception pour la famille de Morgane. Ah oui, c'est une belle famille qu'il a, lui. Ah non, c'est la fille, là, d'accord, ok. Ok, ok. Attends, une seconde, j'ai trouvé le nom de l'épisode. Voilà. Bonjour monsieur, ami Morgane, je suis là pour voir Henri Morgane. Derrière la ligne. Oh pardon, je suis venu voir Henri. Henri Morgane, c'est mon mari. Je ne le répéterai pas. Derrière la ligne, tout de suite. Oui monsieur, pardon monsieur. C'est que ce bordel. Ok, avance, on n'a pas toute la journée. Quel connard. Putain, mais quel connard. Non. Ami Morgane, ami Morgane, monsieur. Je suis là pour voir Henri Morgane et voici sa petite fille. C'est ce que vous lui racontez, en tout cas, pas vrai? Allez, passez. Amy. Enfin, Amy. Qu'est-ce qui s'est passé encore? J'ai bien peur qu'il y ait une erreur. Morgane n'a pas eu ses droits de visite. What? Vous foutez de ma gueule? Quoi? Je suis navré. On a découvert de l'alcool ce matin dans sa cellule. Je ne peux rien y faire. What? Ça m'a pris 2 heures pour arriver ici. Ma fille pleure. Vous pourriez faire un effort? C'est ce que je viens de faire. Je reviens tout de suite du jogging. Et mon docteur m'a demandé de ne pas trop forcer. Pas plus d'efforts pour la journée. Oh la salope. Donnez-lui ceci s'il vous plaît. Une photo des deux. Ah. Oh. Ils vont pas lui donner. Ok, il ne pourra pas recevoir de visite pendant un bon bout de temps. Un message? Oh, c'est dur. Non, pas de message. Oh la vache. Non. Attendez. Vous ne pouvez pas faire ça. Laissez-moi lui parler. Oh le pauvre. Espèce de salaud. Bon, je reconnais qu'il a toutes les raisons d'en vouloir à tout le monde, là. Appel entrant. C'est terrible. C'est si difficile à trouver, de trouver des moyens, de vrais moyens d'aider ces hommes. Il va falloir s'occuper d'un bon parloir, je crois. Les familles font la queue à l'entrée et on n'arrive clairement pas à gérer le nombre de visiteurs. Quand on se met un tout nouveau parloir, je crois que nous en verrons les avantages malgré ce qui est arrivé à Morgane. Et ce n'est pas le seul détenu ici qui est de la famille. J'ai mené ma petite enquête, je suis arrivé à la surprenante conclusion que la plupart de ces hommes souvent... savent à peine lire ou compter. Il faut y remédier, ouvrir un ensemble de salles de classe et invitant des professeurs à leur enseigner les bases. Sans éducation, ces détenus sont condamnés à une vie de crime. Et nous ne nous laissons pas déborder par l'arrivée de nouveaux prisonniers. Continuez à bien améliorer notre capacité d'accueil et à offrir une cellule à décente à chaque prisonnier. D'accord. Ça va même falloir encore de la capacité d'accueil, hein, pour le coup. Faut pas se voiler la face. Hein. Faut pas se voiler la face. Matériaux dalle en pierre. Crac. Ok. Faut une formation ou un travail, d'accord. Juridique, santé, éducation, ça va être ça qu'on a ouvert, j'imagine. Ok. Euh...
En termes de parloir, comment il ressemble, à quoi il ressemble celui-là? Normalement, je pensais pour faire construction, copier, non? Vous avez fait le lycée de la zone jusqu'à... D'accord. Nouveau parloir. Pourquoi? Il faut que ce soit dans un bâtiment, d'accord, ok. Pourquoi pas. Excusez-moi. Oh, ça va plus. Oh, c'est bizarre. Bon. Bon. Moi, il faudrait que j'accueille plus de gens déjà de base. Hop. 23 par 37, j'avais dit. Hein. Je vais vérifier, mais. C'est ça. Ok, on y va. Hop. Allons-y. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hop, ça doit être là normalement. Si je ne me trompe pas. Excusez-moi, ça va pas, ça va vraiment pas, ma maladie à la con. Enfin bon, c'est pas grave. En termes de construction, cellule basique. Et j'ai chié dans la colle. Putain. Ah, c'est chiant. C'est chiant. Je sais pas si je peux annuler tout ça. Voilà. Ok. On va virer tout ça. Eh bien, ce que ça va donner. Donc j'ai dû me chier quelque part. Soit le bâtiment fait pas la taille convenue. Ce qui apparemment est pourtant le cas. Ok. Soit la porte est pas au bon endroit. On va bien voir, hein. Soit la porte est pas au bon endroit. Alors. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va faire ça comme ça. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Bizarre que ça passe d'un seul coup. Tout à l'heure ça passait pas. Allez comprendre. Allez comprendre. Hop. Ok. «
Ok, on est bon. C'est bon. Normalement, c'est bon. Phew! C'est un poil plus compliqué que prévu quand même, hein, je veux pas dire, mais... Alors pourquoi mais... Ça devrait se faire pourtant. Ils sont presque d'accord, ils sont presque... Ils ont presque le niveau demandé, ok. Cool. Construire une salle de classe. C'est con du coup que j'ai fait ça aussi grand. On peut en faire un double bâtiment. Attendez, on va essayer un truc. Voilà. On va agrandir jusqu'à la même taille que l'autre, finalement. Ok. Le nouveau parloir. Crac. Ok. Alors au niveau des services aussi, on a oublié de faire l'électricité tout ça là-dedans, donc ça c'est dommage. Ok, l'eau. Hop. Important aussi. Crac. Voilà. Et il nous manquera aussi quelques murs à l'intérieur, il me semble. C'est ça, c'est là. 1, 2, 3. 3, voilà. On va voir maintenant si ça marche. Si je veux faire un clone de ça. Est-ce que ça marche aussi pour les services? Apparemment non. Mais ce n'est pas grave. Vu qu'on peut le faire nous-mêmes. Ok. On va les laisser bosser un petit peu. Pour ce qui est d'ici en tout cas. Ce qui va permettre d'avoir un petit peu plus de temps pour faire les différentes formations. Je regarde, on est dans l'épisode. 23 minutes. Du coup, on a peut-être bien avancé, je pense, ici. Crac. Bon, c'est pas la plus belle, hein. Tiens, d'ailleurs, pour la forme. Je sais pas si je peux rajouter des... Où est-ce que je peux rajouter des arbres? Dans objet, peut-être? Voilà, c'est ici. Voilà. Faire quelque chose de joli quand même, un minimum. Crac. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Tout est en train de se construire petit à petit, c'est cool en tout cas. C'est vraiment cool. On a oublié aussi au niveau des services, les petites ici partout. Voilà. Crac. Hop. Voilà. Ok. Niveau de l'eau, normalement, on est bon dans ce bâtiment. Pourquoi j'ai pas eu autant de... D'accord, ils sont en train de la faire, d'accord. Ok, pourquoi pas. Bon, en train de monter encore une fois là-haut. Hein. Qu'est-ce qui va pas au niveau des besoins? Hygiène, apparemment, c'est pas top.
Famille, c'est pas top. Détente aussi. C'est vrai qu'au niveau des cours, j'ai pas grand chose. Pièce. Allez. Hop. Voilà. Peut-être leur faire un petit peu plus de fun. Au niveau de la bouffe, tout a l'air d'être plutôt sous contrôle. En termes d'hygiène, peut-être avoir un peu plus de... de concierge. Voilà. Ce sera peut-être mieux. Ok. Là, le bâtiment, il ne s'est pas construit. Ok. Donc, on va cesser là, chers amis, pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour nos aventures. Salut les gens et yop!